Donc aujourd'hui, la gestion de la situation de crise s'est stabilisée. Nous avons eu des dégâts supplémentaires suite à la pluie d'hier. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de fermer les bâtiments des écoles. Donc en attendant, nous avons délocalisé les écoles au pôle culturel. La priorité maintenant, c'est d'assurer la sécurité des personnes, notamment dans les rues, sur les chantiers, sur les toitures. Donc il y a une très forte présence de police et de gendarmerie. Là maintenant, il faut reconstruire la ville. On estime à au moins une année, le temps que tout redevienne normal, on va dire. Et on est inquiet pour les gens qui vont devoir être relogés à cause du manque de logement. Pour l'instant, les gens sont dans les 4 ou 7 jours en fonction des assurances de relogement à l'hôtel, ou alors ils sont dans la famille. Mais c'est une situation qui ne va pas pouvoir durer quand la maison est détruite.